Alors, cher Panda, nous sommes à Vieux-Fort-Vivin, c'est une propriété qui existe depuis le 14e siècle. Alors, cher Panda, ici, on est dans un chai d'élevage, avec toutes ces barriques qui sont là, et air conditionné pour garder le vin dans de bonnes conditions. Le vin va rester dans ces barriques, il va rester 18 mois. Ah oui, c'est un animal très, très sympathique et qui est partout. C'est un petit peu considéré comme l'animal des enfants. Donc c'est un animal qui a une très bonne réputation. Et je ne savais pas que les pandas s'intéressaient au vin. Donc c'est la première fois que je vois un panda qui est connaisseur. Alors, ravi d'avoir fait sa connaissance. Ah, et alors, le vin de panda, peut-être qu'effectivement... On va attendre le panda pendant les vinifications, il va pouvoir nous donner un coup de main et ça sera l'occasion d'avoir le premier vin de panda de la région de Margaux. Cher panda, nous allons boire à la santé de Vieux-Fort-Vivin et des grands vins et des pandas.